gouvernement du Conseil des ministres, Monsieur le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, Monsieur le directeur de cabinet de Son Excellence, Monsieur le président du FASO, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, Monsieur le gouverneur de la région du Centre, honorables invités, Mesdames et Messieurs, Monsieur le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, permettez-moi, avant tout propos, d'adresser mes remerciements et de dire toute ma gratitude à Son Excellence, Monsieur le Président du FASO, et à Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour la confiance qu'ils ont bien voulu placer en moi, en me confiant la responsabilité de diriger le département ministériel de l'administration territoriale et de la décentralisation. Dans le contexte actuel de notre pays, je mesure l'ampleur de la tâche qui m'attend et voudrais dire ici toute ma disponibilité et mon ferme engagement à tout mettre en œuvre pour réussir ma mission. Monsieur le ministre, chères collaboratrices et collaborateurs, dans notre système de gouvernance, le ministre, en tant que membre du gouvernement, a la charge d'assurer la mise en œuvre et le suivi de la politique du gouvernement dans le domaine de compétences d'un département ministériel. À ce titre, il constitue un acteur d'impulsion très important au niveau de la formulation des politiques publiques et il assume une importante mission de coordination au niveau de leur mise en œuvre. Monsieur le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, j'ai pris bonne note des conseils que vous venez de me donner. J'en tiendrai compte quotidiennement dans l'exercice de mes fonctions. Je sais que la fonction ministérielle requiert de nombreuses qualités. C'est pourquoi je voudrais, avec votre permission, saluer les importantes réalisations effectuées par Monsieur le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation de la sécurité, dont certaines viennent d'être rappelées ici ce matin. Je voudrais aussi, Monsieur le ministre, vous remercier pour les vœux que vous avez formulés à mon endroit. Monsieur le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, permettez-moi aussi de m'adresser à mes collaboratrices et collaborateurs pour leur dire toute ma disponibilité à travailler avec toutes les compétences disponibles au sein de notre département et cela dans un esprit de franche collaboration. Je voudrais enfin rappeler que les importants défis qui sont aujourd'hui les nôtres et que nous devrons relever à très très court terme commandent un ferme engagement et des efforts soutenus de tous et de toutes. Je sais compter sur chacune et chacun d'entre vous. Mesdames et messieurs, je voudrais terminer ici mon propos en réitérant toute ma gratitude à Son Excellence, Monsieur le Président du FASO, et à Son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie à Monsieur le ministre de l'Administration territoriale.